Voilà, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour Nabilay Camara depuis Bruxelles, chef compatriote guinéen. Je l'annonçais effectivement, je l'annonçais tout à l'heure en fait, disons cette intervention sur le thème, un thème d'actualité sur la mort en fait d'un autre détenu donc dans les prisons guinéennes pendant en fait la gouvernance de ce criminel Alpha Condé. Il est question de Mamadou Houry Barry, détenu en prison depuis le 5 août dernier 2020, s'il vous plaît, depuis le 5 août dernier. Alors voilà, ce samedi, alors 16 janvier 2021, voilà, il est décédé. N'est-ce pas, cher compatriote guinéen? Donc, je disais que je vais revenir sur cela parce que moi, je pense, écoutez, je ne suis pas expert en matière pour faire l'autopsie, je ne suis pas un expert, disons, médico-légal, vous comprenez, mais je me bats pour la Guinée rationnelle. Dans la Guinée rationnelle, la raison doit triompher, la logique du raisonnement doit triompher. Alors, quand j'entends ici le ministère de la Justice parler de mort naturelle concernant le cas de Mamadou Houry Barry, alors cela me choque, vous comprenez? J'aime raisonner. La logique du raisonnement, je ne peux pas accepter parce que dans la Guinée rationnelle, il faudra le respect de la légalité. Il faudra, disons, accepter que la vérité, la raison triomphe, cher compatriote guinéen. Alors, quand j'interviens et que je dis, je vais démontrer que cet homme, Mamadou Houry Barry, décédé en prison, alors ce n'est pas de mort naturelle comme en fait l'annonce le ministère de la Justice, mais moi je me dis c'est un homicide volontaire, n'est-ce pas? Je dis bien, je ne suis pas expert, disons, légiste ou expert médico-légal. Alors, la démonstration que je donne, je suis la logique du raisonnement, cher compatriote guinéen. Vous m'avez compris. Très bien. Alors, avant de commencer, cher compatriote guinéen, vous le savez très bien. Alors, je n'aime pas parler du pouvoir d'Alpha Condé parce que ce pouvoir, disons, est un pouvoir illégitime, n'est-ce pas? Alors, toutes les actions se référant ou relatives à ce pouvoir, je n'aime pas en parler. Par exemple, parler du Premier ministre, n'est-ce pas? Un nouveau Premier ministre, c'est pas quoi? Non, franchement, c'est illogique. Mais, de toute façon, je vais parler de ce... Claude Kouri Kouyano, il est le haut représentant, disons, du chef de l'État, on le dit ainsi, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Alors, il vient de faire une déclaration, cher compatriote guinéen, alors après, disons, cette fameuse nomination, en fait, disons, du Premier ministre. Alors, Kouri Kouyano dit tout simplement que, bon, écoutez, la nomination de Kassolo Fofana comme Premier ministre, disons que cela est une bonne chose, que parce que là, tout de suite, ce dialogue, déjà annoncé par le chef de l'État, ce dialogue va bientôt en fait commencer entre le pouvoir donc et l'opposition, et une manière pour permettre à la Guinée de sortir de l'impasse. Donc les gens la reconnaissent tout simplement que la Guinée est dans l'impasse totale, l'impasse, le désordre, ils le savent très bien. Et cette impasse qu'il a créée, c'est bien le pouvoir, c'est bien Alpha Condé, ce sont eux-mêmes. Et c'est pourquoi je dis bien, nous sommes dans l'impasse, et dans cette impasse, il faut insister là-dessus, pour qu'Alpha Condé tombe avec son système. Et ça, c'est irréversible, cher compatriote guinéen. Alors, je parle de l'impasse. Cette impasse, écoutez, nous en sommes avec cette affaire de Mamadou Houry Barry. N'est-ce pas? Quand je parle de l'impasse tout à l'heure, écoutez, les conséquences de cette impasse, écoutez, ce qui se passe avec Mamadou Houry Barry, il n'est pas le premier, en fait, à trouver la mort dans les prisons, en fait, au temps de l'Assana, et plutôt d'Alpha Condé. N'est-ce pas? Alors, Mamadou Houry Barry, je vous dis bien, depuis le mois d'août dernier, le 5 août précisément, est en prison. Arrêté, en fait, les charges retenues contre lui, c'est-à-dire coups et blessures. N'est-ce pas? Depuis le 5 août dernier. On dit bien, pour coups et blessures, il a été arrêté. Il y a eu un mandat de dépôt contre lui. N'est-ce pas, cher compatriote guinéen? Très bien. Alors, vous remarquez, maintenant, ce samedi 16 janvier, on annonce, disons, sa mort, cher compatriote guinéen. Il est décédé. Alors, des problèmes de santé en prison, urgemment, en fait, conduit à l'hôpital. Alors, il est décédé. Et comme toujours, dans les cas pareils, il y a le ministère de la Justice qui, en fait, qui intervient pour dire, bon, écoutez, il est mort de mort naturelle en allant jusqu'à établir, en fait, la maladie en question. On parle d'occlusion intestinale et une anémonie bioclinique. N'est-ce pas? Donc, un certificat de décès établi par le médecin approprié, présenté par le ministère de la Justice contre le client. Voilà. Et là, ça m'énerve quand j'entends cela. Ça m'énerve. N'est-ce pas? Parce que j'ai aussi écouté l'avocat de Mamadou Houry Barry, la famille de Mamadou Houry Barry. Alors, écoutez, Mamadou Houry Barry n'avait que 21 ans, fils unique de la mère. Un an seulement. Et plutôt, je dis bien un enfant unique, seulement 21 ans. N'est-ce pas?
Voilà, cher compte guinéen. Alors, quand j'ai entendu, en fait, ce rapport du ministère de la Justice concernant la cause donc du décès de Mamadou Coulibaly, en fait, cause naturelle, la mort naturelle, je ne suis pas d'accord, cher compte guinéen. Je ne suis pas d'accord et c'est ce que je vais expliquer, cher compte guinéen. Très bien. Alors, avant donc, pour me faire comprendre très bien, vous le savez autant que moi, bon, peut-être pour rappel, pour ceux-là qui ne savent pas, quand on parle de mort naturelle, la mort naturelle, disons, c'est par la vieillesse ou par la maladie. On est malade, n'est-ce pas? On a une maladie, on doit une crise cardiaque, ne sait pas quoi d'autre. Et quand on meurt, cette mort-là, on l'appelle mort naturelle. N'est-ce pas? Aussi, par la vieillesse. Vous voyez, la vieillesse aussi. Un citoyen à 100 ans, 140 ans, cette vieillesse, quand toutes les cellules sont fatiguées, etc., on meurt également. Et ça, on appelle ça la mort naturelle. N'est-ce pas? Très bien. Alors, dans notre cas, on dit que Mamadou, en fait, Coulibaly était malade. Il est mort, donc, disons, de mort naturelle. Très bien. Alors, moi, je ne suis pas d'accord, cher compte guinéen. Je ne qualifie pas ça de mort naturelle. Non, je pense plutôt que, en fait, je ne pense pas, mais je suis certain, sûr et certain, que, en fait, c'est un homicide, disons, volontaire. Voilà. Qu'est-ce qu'un homicide? Là aussi, vous le savez autant que moi. Donc, je vais l'expliquer pour ceux-là qui ne savent pas, très brièvement. Un homicide volontaire, c'est le fait de tuer, n'est-ce pas? Avec l'intention de donner la mort. Vous tuez dans l'intention de donner la mort. Donc, c'est un homicide volontaire. Vous tuez dans l'intention de donner la mort. N'est-ce pas? Il y a aussi l'homicide involontaire. N'est-ce pas? Vous tuez sans l'intention. Vous ne le faites pas délibérément, vous ne le faites pas volontairement, n'est-ce pas? Par exemple, dans une bagarre où il y a échange de coups de poing, n'est-ce pas? Et votre adversaire tombe, n'est-ce pas? Il est décédé, n'est-ce pas? Alors, dans de tels cas-là, on pourrait penser que le décès, écoutez, c'est plutôt un homicide involontaire. Il y avait la bagarre, vous échangez des coups, le coup donné à votre adversaire qui l'a achevé, vous ne l'avez pas donné dans l'intention de le tuer. N'est-ce pas? Alors, c'est un homicide involontaire. Alors, dans notre cas précis, cher compte guinéen, je dis bien, le cas de Mamadou Coulibaly est plutôt un homicide volontaire. Je m'explique, cher compte guinéen. Cet homme est en prison. Ce jeune était en prison depuis le 5 août dernier. Donc, il devait avoir un procès concernant son cas dans les délais raisonnables. Dans un délai raisonnable, s'il vous plaît. Le cas n'est pas si grave. On parle de coups et blessures. N'est-ce pas? Aussi, Mamadou Coulibaly n'est pas un danger pour la population. Il n'est pas un danger. Il n'a pas tué. Il n'est pas un tueur, disons, en série. N'est-ce pas? Il n'est pas un psychopathe. N'est-ce pas? On l'a arrêté là-bas à Ratoma, ouais, dans une rafle donnée de n'importe quoi. Il a été arrêté. On dit, bon, de coups et blessures. N'est-ce pas? Il n'est pas du tout un danger public. N'est-ce pas? Voilà. Depuis 5 août, il est emprisonné. Il est gardé, c'est comme on peut sans aucune forme de procès. Vous comprenez cela? Sans aucune forme de procès. Je dis bien, il n'est pas un danger public. Parce qu'il faut être un danger public. Un tueur en série, vous comprenez, un psychopathe, antisocial, pour que finalement, on se dise, bon écoutez, lui, on doit le garder. On ne doit pas le laisser en attendant le procès. Si nous laissons attendre le procès, il est capable encore de commettre d'autres crimes. Ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? Pourquoi ne pas laisser Mamadou Coulibaly et fixer une date pour le procès? En disant, bon, telle date, monsieur Mamadou Coulibaly, vous devez vous présenter pour le procès. Pourquoi vous ne le faites pas? Mamadou Coulibaly va fuir la Guinée pour ça? Il va quitter totalement la Guinée pour ça? Quitter sa famille, tout le monde pour ça? Coup et blessure? Même s'il y a condamnation, c'est peut-être quelques mois de condamnation, il va fuir la Guinée pour ça? Cher compte guinéen. Voilà, donc c'est pourquoi je dis, donc il y a un fait volontaire de la part du pouvoir. Je dirais, nous sommes face à un pouvoir ethnocentriste. Mamadou Coulibaly est un peuple et nous savons en fait l'intention du pouvoir d'Alpha Condé face au peuple. Il a été, en fait, ce fait a été fait volontairement parce que c'est un peuple. Je le dis très clairement. Alors, c'est un peu, c'est-à-dire que il y a cette intention volontaire de déconsidérer son cas. On s'en fout qu'il pourrisse en prison, n'est-ce pas? Son procès, on n'en parle même pas. Les avocats, on ne suit même pas, n'est-ce pas, cher compte guinéen? Donc là, il y a une intention involontaire de ne pas apporter le cas de Mamadou Coulibaly devant, en fait, les juges, cher compte guinéen. Ça, c'est un. Et qui fait que, je dis bien, je doute, donc, sur, en fait, le rapport du médecin ou l'expert, en fait, du médecin légiste ou médico-légal, ou en fait, le ministère de justice qui parle donc de mort naturelle. Ça, c'est un, cher compatriote guinéen. Concernant le procès, je dis bien, le retard sur le procès. Pourquoi? Pour coups et blessés, pour quelles raisons on garderait ou garderait-on un individu, s'il vous plaît, depuis le mois d'août dernier jusqu'à maintenant? Pour quelles raisons, s'il vous plaît?
N'est-ce pas? Ça, c'est un. Deux, maintenant, Mamadou Oulibaly est en prison. Il est en prison, n'est-ce pas? Et nous connaissons tous, en fait, les conditions de vie dans les prisons en Guinée. N'est-ce pas? Vous mangez bien, donc dans la vie normale, vous êtes en prison là, donc il y a en fait une sorte de problème alimentaire. L'alimentation, ça c'est sûr. Il y aura problème à ce niveau. Donc, vous ne mangez pas comme il le faut, n'est-ce pas? Dans le temps, en qualité comme en quantité. Ce qui peut, en fait, occasionner des troubles, en fait, alimentaires. N'est-ce pas? Créer ou occasionner d'autres maladies, ou même contracter d'autres maladies, chers compatriotes. N'est-ce pas? Très bien. Alors, Mamadou Oulibaly est en prison. Il est en prison. Il se plaint. N'est-ce pas? Physiquement, il se plaint. N'est-ce pas? Il le fait aussi savoir à travers des déclarations que ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait? On informe les parents du détenu. Bon, écoutez, l'enfant est malade. Les parents qui ne savent pas réellement ce qui se passe, ce qui ne va pas avec leur enfant, quel type de maladie, rien, on achète des médicaments n'importe comment, on vient, on lui donne. Vous comprenez? Le gars se plaint. Le directeur, en fait, pénitentiaire, le président, le directeur de la prison, il est là, il le sait très bien, n'est-ce pas? Mais rien n'est fait pour effectivement s'occuper de ce malade, de ce détenu malade. Je comprends bien. Très bien. Alors, je dis bien, on achète n'importe quel médicament, on va donner au jeu en prison, n'est-ce pas? Et la prison où le pouvoir ne se dit pas, écoutez, parce que dans des cas pareils, il faut prendre le détenu soit à l'hôpital pour voir réellement ce qui ne va pas, n'est-ce pas? Il souffre de quoi réellement? Et sinon, si on ne le déplace pas, que le médecin vient donc en prison voir son cas, chers compatriotes, rien ne se fait. On ne le fait pas. Très bien. Alors, Mamadou Oulibaly, vous comprenez? Et finalement, son cas s'aggrave. Ça s'aggrave. Il a été conduit le samedi à l'hôpital. Il décède tout de suite. Et c'est en ce moment que le ministère de la Justice, n'est-ce pas, en fait, délègue finalement, en fait, un médecin légiste pour voir de quoi il est mort, cher compatriote. C'est en ce moment. Après la mort, on vient voir effectivement la maladie. Quand il était en prison, qu'il se plaignait, personne ne venait en ce moment. Le ministère n'a pas délégué un médecin pour venir voir réellement de quoi souffre Mamadou Oulibaly. C'est maintenant qu'il est mort, on vient voir. Ça, pour pouvoir s'argumenter, nous ne l'avons pas tué. Il est mort de mort naturelle. Cher compatriote guinéen. Vous comprenez, cher compatriote guinéen. Voilà ce fait. Alors, si vous m'avez compris, n'est-ce pas, en tenant compte du concept de mort naturelle, n'est-ce pas? Alors, bien sûr, on le dit en Occident, ou dans les définitions officielles de mort naturelle, je viens de le dire, soit de la maladie, ou en fait, de la vieillesse. N'est-ce pas? Alors, moi, je me questionne dans ce cas-là. Quand il est mort, on dit bien, selon eux, parce que l'autopsie n'est pas encore faite, alors, selon eux, en fait, voilà, il y a eu cette maladie, occlusion intestinale, et une anémonie, en fait, bioclinique. C'est ce qui dit, en fait, ces gens-là. Alors, mais moi, je me dis, maladie va dans le cadre, donc, de mort naturelle. Mais si quelqu'un est malade, il est détenu en prison, sachant qu'il est malade, il se plaint, et qu'on ne lui apporte pas des soins appropriés, n'est-ce pas? On ne fait absolument rien pour que cet homme retrouve sa santé, on ne fait rien, donc il est négligé, il est abandonné. Ça, c'est un. Deux, cet homme qui devait avoir un procès dans un délai raisonnable, ça n'a pas été fait. Vous comprenez? Il est décédé. Peut-on, dans ce cas, ça, c'est la question que je me pose, je ne suis pas expert en la matière, mais peut-on qualifier ce cas, en fait, de décès naturel, décès par mort naturelle? Je pense que non. Il y a ce qu'on appelle ici l'homicide volontaire. La volonté de le tuer, la volonté délibérée. Parce qu'on se dit, ce sont des ethnocentristes, ils se disent tout simplement, ah écoutez, c'est un peu, ce sont ces gens-là qui nous empêchent de respirer. C'est seulement ce quartier de la Touma, de je ne sais pas de quoi d'autre, ces peu-là, cette communauté, qui en fait critique notre troisième mandat. Qu'ils en meurent, c'est pas notre problème. Mais c'est ça la vérité, chers compatriotes. Ils se disent, mais c'est qui? Ils regardent, c'est un Peul, c'est un Barry, mais écoutez, c'est un Diallo, c'est un Sou, etc., etc., mais qu'il la meure. C'est ça. C'est l'ethnocentrisme. Il a été tué pour ça. On te dit, bon, écoutez, c'est un Peul, qu'il meure, ça n'a pas de sens. La vie, en fait, d'un Peul, ça n'a aucun sens, chers compatriotes. C'est cela. Alors, moi, je me dis, c'est un homicide volontaire. Aujourd'hui, sûrement, la vérité ne sera pas établie, mais je suis sûr à 100%. Chers compatriotes guinéens, la Guinée rationnelle n'est pas loin, sans la Guinée rationnelle sera là. Tous ces individus qui aujourd'hui se comportent de façon irrationnelle, n'est-ce pas? Qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, n'est-ce pas? Ils le payeront très clairement.
Tous ces gens qui saisissent, qui prennent le bien de toute la Guinée, ils vont chercher des maisons ailleurs, faire je ne sais pas quoi que ce soit, n'est-ce pas? Dans la Guinée nationale, ils le paieront tout cher comme tout le monde. Voilà. Donc, quand j'interviens, en fait, donc, pour parler de Mamadou Ouribari, et que, voilà, c'est cela, il est mort, en fait, c'est selon ma logique de raisonnement. Je crois que Binta Ba, qui se posait la question si j'avais l'autopsie, non, les résultats de l'autopsie. Binta Ba, non, je n'ai pas, disons, les résultats de l'autopsie. Je ne suis pas expert aussi médico-légal, mais Binta Ba, je vous dis, je suis, en fait, une logique de raisonnement. Dans cette logique de raisonnement, vous m'avez compris, c'est-à-dire le côté judiciaire, pour quelle raison cet homme n'a pas été jugé si tôt, depuis le mois d'août, pour quelle raison, et en prison, il se plaint, il est malade, pour quelle raison, et en fait, ils se sont pas intéressés à cet homme réellement, n'est-ce pas? Voilà, Binta Ba, c'est cela ma réponse, je vous le dis très clairement, c'est cela, c'est un homicide volontaire, nous savons tous, nous avons qui des ethnocentristes au pouvoir, des gens qui ont la haine envers les peuples, ça va finir dans la Guinée nationale. Voilà, c'est comme tout le monde, c'est Nabila Camarade, depuis Bicêtre, merci pour le coup de bonne soirée.